Alors, bonjour, bonjour, bonjour. C'est parti pour quelques petites runs. On va essayer de casser des bouches. D'obtenir le 100%, mais j'y crois, moyen entre nous. Parce que je manque de skill. Alors, oh le D6, pas mal ça. Ça présage une bonne run ça peut-être. Qui sait, qui sait, qui sait, qui sait. Peut-être. Donc, bonjour à ceux qui arrivent, j'espère que ça va. Ce live est bien sûr enregistré, sera disponible sur YouTube. En l'empoisonnant, ça fait toujours plaisir. Ah. Ça passe. Allez, continue. Hop. Alors, soit je peux tenter un War of Babylon, mais j'ai qu'un cœur gris. Enfin, j'ai qu'un demi-cœur gris. Je vais attendre un petit peu. War of Babylon avec un demi-cœur gris, c'est assez risqué. Bien que pété que ce soit, bien aussi nul que je sois aussi, j'ai pas trop les balls. Ça aussi ça saute one again, tu sais jamais quand c'est bon. C'est bon, c'est bon. Librairie. Librairie elle m'aurait bien plu là. Avec genre un... Faut des révélations. Donne un cœur gris à chaque fois. Tant qu'il y a un gris de temps en temps, ça aurait pu être cool. Déjà, il me faut une clé. Première chose, il me faut une clé. C'est que j'ai qu'une bombe. Faudrait deux bombes. Voilà. Donc, la logique voudrait que la secret room soit là. De la thune, ça fait toujours plaisir. Salut Minez. Comment vas-tu? Et nous avons le wafer. Alors le wafer qui sera très utile à partir du womb, c'est-à-dire après avoir tué mom, puisqu'au lieu de prendre un cœur de dégâts, on prendra une demi-cœur. C'est vraiment assez opti pour la run actuelle. Il faut pas que je meure, faut que je fasse juste attention et puis c'est tout. Ça devrait le faire. Mais je sais que tu cours très vite. Tu es une petite pute. Je sais plus ce qu'il fait, si tu te mets devant, je crois qu'il te crache de la lave dans la gueule ou une connerie comme ça. Voilà. Il te vomit dessus. Si je dis pas de conneries, voilà, quand il explose, il fait ça. Et esquive. C'est bon. De la bouffe.
En fait, mon pseudo Eclipsia, c'est Soulciaran. Je vais bien. Ah oui, Soulciaran. Bien sûr que je me souviens de toi. Alors, le pieu ou la pièce de 25. La queue. Bon, si je prends la queue, je peux faire le chat. Mais c'est pas intéressant. Le parasite qui est bien, qui... Ouais, mais deux cœurs, ça coûte cher. Comme par hasard, toujours le même. Salut Blazer, salut Torzan. Ouais, non. On va pas le prendre. Et on va se barrer. Ça me fait plaisir de vous voir sur mon live. Allez, labyrinthe. Oh putain, ça j'aime pas. Ça c'est pas cool. C'est pas très gentil ces trucs là en plus. Ça rame. Oh là là là. Ah ben oui. Donc le truc cool c'est d'avoir le wafer justement qui réduit les dégâts puisque cela te met un point de dégâts dans la gueule au lieu de t'enlever un demi-cœur. Donc c'est assez pratique. Héroïne petit à petit et ça va le faire. Voilà. Ah merde, la nullité, la nullité. Beaucoup de nullité par ici. Vous cherchez le stream de la nullité, bien vous êtes au bon endroit. Parfait. Plus c'est un labyrinthe quoi, j'aurais pas pu espérer mieux. Oh, on est à chier. Oh. Je vais tellement subir. Mais... Putain. J'ai pas de dégâts, j'ai pas de dégâts, j'ai pas de dégâts. C'est Craignos. Une pilule. Bon. Avec la luck que j'ai, la pilule elle va me donner de la merde. Voilà. Donc, truc totalement inutile. Oui, oui, oui. Allez, oh. Calme-toi. J'aime pas les araignées. Je déteste les araignées. Bitch, please. Oui, oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, on a compris. Voilà, on perd. Ok, le D6 est prêt. Donc, faudrait trouver une clé. Ouais, bien trouver une clé. Oui, bien sûr. Ouais. Ce serait bien qu'il meure quand même. Tu as honte de péter devant nous, exactement. Je ne pète pas devant les gens, c'est mal poli. Après Isaac est dans un jeu assez dégueulasse. On va pas trop râler. Ah, alors là faut calculer le coup. Merde. Bâtard. Alors là je me suis fait bait en fait. J'avais oublié qu'il faisait exploser le tonneau de TNT. Donc du coup déçu. Ah. Bon mais je vais mourir en fait sous. Vraiment sur des salles de merde. Oh putain. Please quoi. Ah eux ils sont chiants parce qu'ils sont très solides. Ils font tons of damage. Et ils prennent que dalle. Hein. Et je les fusille depuis tout à l'heure, ils meurent pas. Encore j'ai l'œil qui m'aide à... Allez des pop. Pas beaucoup. Pas des masses, pas des masses. Alors ça, ouais. Ouais. Plus en LAN. Oh putain mais merde. Putain, je fais attention en plus de pas me le prendre en plein cac. Et il explose alors que je suis à 10 000 km et je prends des dégâts. Mais non tu vas carry, ça c'est pas sûr. Ça fait quelques semaines que je suis bloqué là, que j'essaie de farmer le 100% et je n'y arrive pas. Je suis bloqué sur des personnages les plus chiants d'ailleurs. Qui n'ont pas de vie, qui n'ont pas de dégâts de base. C'est assez la merde. On bouge pas. On attend sagement. Hop.
Je vais remonter. Oh, son père. Il n'y a pas plus pire que ça. Ouais, ouais, ouais. Super. J'adore ce que vous faites, les gars. Mais ça m'a enlevé un cœur. What the fuck? J'ai le wafer pourtant. C'est méga long. Ouais, 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 ouais. Hop, pas plus. Mais vous allez mourir, bande de bâtards. Please. Merci. J'en ai pris deux. Ah, d'accord. Je comprends mieux. Ah. C'est bientôt la mort. Oui, donc un des effets du personnage Eve. Quand vous arrivez à un demi-cœur, vous devenez une pute de Babylone. Voilà, ben je suis mort. J'ai foncé dedans. Je suis un mongol. Ouais, labyrinthe, c'est ça. A plus. Déjà, quand vous tombez sur un labyrinthe dès le début, vous pouvez reset la run. Parce que vous avez pas de clé, vous avez rien. Prominov, elle est où la vodka? Ben là, j'en ai pas. Mais merde! Je suis nul à chier. I am nul à chier. Ouais, ouais, ouais. Voilà, voilà. Bingo. Et la vodka, j'en bois que le soir, hein, tu sais. Au goûter à 4h, c'est chaud quoi. Donc la max head, tête de chien qui vous augmente considérablement les dégâts. De pas beaucoup. Et voilà, c'est assez pratique. De la thune. Dis jamais non à la thune, parce que la vie est une machine à fric. Retenez bien ceci, mes amis. Y a pas d'heure pour ça. Si en Russie y a pas d'heure, mais je suis pas on n'est pas en Russie là, donc ça craint. Oh cool, j'ai un cœur rouge, donc je pourrais aller dans la salle de sacrifice, choper ça, ressortir et revenir full life. Parfait. Maintenant, on va aller buter le boss. Voilà. Donc, quelques dégâts. Hein. Ça va mieux déjà. Ça va mieux. J'aime bien faire des dégâts comme ça. Parfait. Allez, meurs. Pourquoi je fais du Binding of Isaac? Eh bien, tout simplement parce que le prochain Binding of Isaac va sortir mardi prochain. Mardi prochain, donc dans une semaine, il y a le nouveau Binding of Isaac qui sort. Et dès que je vais rentrer de cours, je vais me mettre à le streamer sur cette chaîne là. Histoire de voir ce que donne le jeu. Donc si vous avez envie de passer, venir voir ce que ça donne, et vous pourrez venir et me dire ce que vous en pensez. Je ferai un petit live ce soir-là. Sur 18h, 19h. Même un peu avant, je pense. Sur l'écoute, 17h. Pardon. Même pas, je finis à 3h. Donc, sur l'écoute, 16h. C'est officiellement le 2. C'est Rebirth. Je sais pas si c'est un remake ou pas. Enfin. Les gens laissent dire que c'est un remake parce que tu vas avoir la même histoire, mais en version améliorée, donc ouais, un remake. C'est ça. Remake. Il n'y a pas de suite à proprement parler au jeu, parce que l'histoire, tu l'as fini quoi, à la fin de Wrath of the Lamb. Donc je sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent rajouter d'autre comme histoire, mais un remake, oui, ça me semble... le mieux de toute façon, parce que... Et puis il y aura de nouveaux items, il y aura de nouveaux boss, de nouvelles salles. Donc bon, je ne sais pas encore. C'est mardi prochain, pas demain. Mardi 3 novembre. Ouais, c'est ça, le 3 novembre il sort. Je l'ai précommandé. Dès que je l'ai, je télécharge et puis... c'est parti.
Mais j'aimerais bien avoir le 100% sur celui-là avant de commencer le Rebirth. Ski. J'aimerais bien avoir des bombes ou des clés parce qu'il y a plein de cailloux bleus à péter. J'ai jamais ce qu'il faut quand il y a des cailloux bleus, c'est nul. Si ça se trouve, il y a un roc à l'intérieur. C'est dégueulasse. Oui, 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 bon. Tu vas fermer ta gueule, c'est moi qui te le dis. Voilà. Hello boy. Hello boy. Je l'ai fait bugger. Utilisons les glitches. Ah merde. Oh oui. Oh oui. Oh oui, j'aime ce que vous faites. Jugement. J'aime ça. J'aime ce que vous faites, les gars. La fourchette. Une clé, parfait. Alors ça, c'est worse. Donc nous allons faire péter ceci. Et nous avons... Oh putain, oui. Oh, ça, c'est de la luck. Là-dedans, on a quoi? La brimstone. Et la guppy. Non, on prend rien. Ça, c'est quoi? C'est une pilule. Et c'est rien. Soyons amis pour l'éternité. Hashtag Amumu, TMDC. On va faire péter celui-là. Et on a deux cœurs gris. Alors là, il y a moyen de se faire... de se faire un truc de fou. Alors ça, on va le prendre. Pour le moment, on va le prendre. Le shop, on en a un peu rien à battre. Ça va faire 5, 6, 7, 8 de thunes. Non, rien à foutre. Mais j'ai pas de bombe. Ouais, ouais. Donc là, franchement, on est bien. On est plutôt bien. Ici, mais je peux ouvrir le coffre. En espérant trouver des bombes. Clé. D'accord. Ça sent le bon run. Ouais, c'est clair que ça sent la bonne run. Oh oh. Alors là, on va s'amuser. 2, 3. Ah! Ouais, ouais, super. Petit glitch, hein, pour ceux qui savent pas. Alors attends, le chat, voyons. La chaîne. Non mais personne ne se hait ici, c'est hors de question. Tout le monde s'aime. Tout le monde vit d'amour et d'eau fraîche. Sinon moi je me vénère. Alors, on a deux thunes, on va essayer de lui faire lâcher une bombe. Connard. Bon, on peut faire rien d'autre. À part se barrer. Ça fait comme Pac-Man. C'est exactement ça. Voilà. Trois coups suffisent. Ah putain, c'est un labyrinthe. J'aime pas trop ça. Parfait. Ici, il y avait quoi? Ah oui, bon, pour le moment, on va attendre. Je vais attendre de voir si je trouve une Blood Machine. Oh, là, il y a de la thune, c'est intéressant. Je vais attendre. Je vais voir ce que je vais faire après. Ah ouais, quand même. Ah putain, ouais. Trois comme ça, c'est vraiment des bâtards. C'est pas du tout les plus chiants, en plus. Cela, il te court après comme des petites bites. Voilà, une clé. Alors. Bon, le coup de la bombe, là, je sais jamais où il faut la placer. Je crois qu'il en faut deux pour les... Salut Chouba, comment tu vas? Voilà. Hop. Ah merde, je pensais l'avoir tué. Ah, j'ai perdu des cœurs pour rien. Vraiment.
chronobisme. Allez. Voilà. Ça va, j'ai pas beaucoup de vitesse de tir. C'est pas du tout pété. Okay. Je sais pas si je peux bouffer les rochers avec mon Batman. Eh ben ça va très bien, merci. Ma foi, on fait aller, comme on dit. On fait aller. Ah, c'est la fête. Je t'ai mangé. Ah, là c'est intéressant. Là c'est putain intéressant. Voilà. Nous sommes en pute de Babylone. Nous avons le monde à nos pieds. Nous avons un multiplicateur de thunes. Chose très importante. Donc nous allons alors récupérer de la thune. Oh oui. En espérant que le rocher pète pas. Voilà. Doubler la thune. Et ça on va attendre. On va aller chercher un item. Ah, j'aime cette machine. J'aime cette machine. Non mais ça c'est de la merde. Allez, allez, les cœurs gris. Fais péter les cœurs gris. Fais péter les cœurs gris. La tique de préférence, ce serait cool. Hé ! Pourquoi tu lâches rien ? Bâtard ! Bâtard ! Bâtard de merde ! Comment se faire troller mes dalles à vie, quoi ? Putain ! FDP ! M'en fous ! Ah, salut toi ! Comment tu vas ? Ouais, ouais. Je suis content de te voir aussi. Sauf que claquettant, il reste. Ah voilà, vous m'avez fait faire des conneries là. Je lisais le chat et. Oh putain, mais c'est nul ça. Mais je claque pas mon RSA, je voulais des cœurs gris, merde. Bon, je vais aller fouiller celle-là. Puis j'ai 15 de thunes donc c'est. Oh putain, oui. Alors ça, avec de la chatte. D'accord, j'ai pas de chatte du tout. Bon, mais on va le prendre et on va aller le reclaquer. Non, je claque pas mon RSA pour rien, j'optimise, nuance. J'optimise pour mourir. Alors, je vais prendre ça du coup. Parce que la fourchette, je veux pas qu'elle me redonne de la vie. Voilà, parfait. Ouais, voilà, je suis allé revoir le mendiant, c'est ça. Comme dirait Monsieur MV, la vie est une machine à fric. Hop. Oh, 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 ça c'est cool. Ça c'est très bien les amis. Vous pouvez pas savoir à quel point. Ouais. Toi, faut que je me dépêche de te buter. Oula. Meurs. Voilà. Je vais avoir le Pac-Man. Pas encore. Empereur. Bon sang, j'en ai pas trop besoin pour le moment. Voilà. Ça va le faire, ça va le faire. Voilà, on a le Pac-Man. On a le Joker. Alors le Joker.
ça c'est cool. Alors la relique, si je me rappelle bien ce qu'elle fait, elle a une chance de vous donner un cœur sacré à chaque fin de run, à chaque fin de niveau. Là je vais pas me faire chier. J'aime pas ces trucs. Hein. Putain mais de bâtard. C'est vraiment de la merde ce style. J'aime tellement l'ambiance de ce jeu. Tu m'étonnes. Putain, pourquoi j'ai récupéré de la vie? Allez mon petit compagnon. Explose pas maintenant. Voilà. Une pilule. Qu'est-ce que c'est? Il va chier. Bon, on a 16 de thunes. Moi. Oh oui, voilà. Warsit. Qu'est-ce qu'on a de beau? On a une carte. Je prends ça. Et parce que je suis couillu, je prends la pilule. Ta mère. Fais chier. Et là, tu vois, je vais me faire troller. Parce que ça fait. J'ai donné plein de vie à l'autre con que il va disparaître. Ça va. Ah oh. Oh lol. C'est bien ça. C'est plutôt bien ça. La Bible. Je vais one shot mom. Ça, on s'encarre. Alors là, vous voyez ce qui manque pour rendre la run totalement opti? C'est un Book of Révélation. C'est le Book of Révélation. Toutes les 3 salles, il me semble. Vous obtenez un cœur gris gratuitement. Oh, Blazer en sang sur le chat. En sang, Blazer. Voilà, à plus en LAN. Hop, et la dernière clé. Pour. Oh oui, PhD. Alors, sachant que si je prends le PhD, je remonte full life. Mais j'aurai tout le temps des bonnes pilules. Qu'est-ce que je fais? Je le prends ou je le prends pas? C'est vous qui décidez. C'est à vous de voir. Qu'est-ce qui est le plus force? Est-ce que je le prends? Est-ce que je le prends pas? Sachant que je vais remonter full vie et perdre ma pute de Babylone. Comment je fais? Blazer, si tu vas finir en sang un jour, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Oh, ça clash! Minez! VIP! Reste comme ça, c'est mieux, on est d'accord. Allez. Je suis plus joli, entre nous, j'ai des ailes, des cornes et tout. Hey. 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 Et ouais. Fuck my life. Pourquoi je me fais tout le temps toucher là? D'habitude j'arrive à tout esquiver comme il faut, en plus là j'ai le vol, sans déconner. Allez, terminé. Et nous avons un cube of meat qui peut être très utile. Le boss suivant. Oh, pas lui. Pff.
bien vomir celui-là. Calmez-vous sur le chat, calmez-vous sur le clash, doucement. Le respectez. Faites-vous des câlins. Calmez-vous. D'ailleurs, si je faisais un truc... Attendez, j'ai une idée. Ah, merde. C'est bon, c'est réglé. Hop. Squeezie. Son père, la run pété. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu, pas eu une run comme ça, les copains. Ça, c'est moi qui vous le dis. Regardez, je vais faire un truc cool. Hop. 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 Merde. Voilà. Vous êtes magnifique. Vous êtes visible. Et on enlève ça. Hop. Ah merde. Bon attendez, je suis F5. Deux secondes. C'est un fail. Je ne vous vois plus sur le chat, attendez. Aïe, ça marche. Pas. Toi, tais-toi. Je ne veux pas que tu charges la vidéo. Merci, cordialement. La magie du streaming, n'est-ce pas, Blazer? N'est-ce pas? Ah ouais, mais du coup... Rends le chat. Ben oui, rends le chat. Je vais rendre le chat, attendez. J'ai fait une connerie. Je suis tellement nul. Nye. Voilà. Ah oui, mais non, mais ça va pas marcher. Attendez. Si je fais ça. Que je fais ça. Que je fais ça. Ah mais oui, mais c'est nul. C'est méga nul. Alors attends. Ben, vous savez quoi? Quand vous parlerez... Vous savez, on va faire un truc. Merde! J'ai tout cassé! Putain, je suis nul. Excusez-moi pour cette nullité. Add. Screen région. Ça a pas marché. Si, ça a dû marcher. Voilà. 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 Hop, hop. Fuck you. Voilà. Je casse tout. Je vous emmerde. Si je fais ça, 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 ça. Pourquoi j'apparais pas? Ah, voilà. Ça marche. Bonjour. Voilà. Vous apparaissez maintenant. Alors, ça. Où sont les modos? Il y a pas de modos ici. C'est l'anarchie. Il n'y a pas besoin de modos. Qu'est-ce que j'ai... C'était là-bas. Ah oui, c'était le Pac-Man. Là-bas. Je me rappelle plus. Bon, bref, merde, on se casse. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais cette run, je la sens bien. Personne ne sera modo ici, il n'y a que moi. Wow, esquive. Je suis un professionnel. Hop. Non, personne ne... Modo sur Eclipsia. Oh là là, mon dieu. Mon dieu. Ce serait la fin du chat. Allez, donne-moi de la thune, toi. Enfin, donne-moi de la thune. Donne-moi des objets cool. Je sais plus si ça... Ouais, ça te remplit. Non, c'est nul, c'est nul. C'est pas intéressant.
Ouais, d'accord. Wars. Super Wars site, quoi. Allez, par toi. Hop. Hop. Bingo. Salut Glacy. Comment vas-tu? Ouais, bon, là, on n'ouvre pas. Faire un truc, voilà. Et vous pouvez. Quoi? Salope! Comment elle a fait? Ce jeu est un troll à lui tout seul. C'est vraiment un putain de troll ce jeu. Son père! Bonjour à toi, du coup, Glacyloy, j'espère que tu vas bien. Moi pour le moment, ça va. Je fais une bonne run. 100% et pas loin. Elle fait la technique du glitch, mais totalement. Saloperie. J'ai déjà vu ton pseudo quelque part, mais je ne sais plus où. Alors, tu as dû sûrement me voir. Alors, à ce qui paraît, je bouffe à tous les râteliers. Ce qui est faux. Non, j'étais modérateur chez Millennium et je suis modérateur chez Eclipse aussi. C'est pour ça. J'ai commencé à modérer chez Millennium et puis j'ai postulé chez Eclipse parce que des potes de la Z. J'ai suivi avec la ZTV. Donc, ça fait une petite année là déjà que je suis chez EC. Sinon, après, ça m'arrive de faire un petit peu de streaming. Comme ici aujourd'hui d'ailleurs. Pareil qu'il est modo mais pas sûr. Il paraît ouais dev, je modère pas souvent en fait, je suis un gros slacker. Je profite de mes pouvoirs. Ah j'ai pas de clé, c'est la merde. J'ai pas de clé. Ah j'aime pas ça. Attends, on va essayer un truc. Voilà. Je suis un taré. Ah bon, tu streams, c'est pas une rediff? Eh bien, bien sûr, c'est une rediff. Bienvenue sur la rediffusion live. Vous voyez sur le chat, n'est-ce pas? C'est une rediff avancée. C'est la rediff du futur. Alors, sinon, je t'ai peut-être vu sur la ZTV alors. Sinon, il te demande quoi pour le plat de God? Alors, pour le plat de God, il me manque à finir Eve. À finir Sheol avec Eve, il me semble. Je vais regarder. Je vais vous montrer. Isaac. Chez les succès. Je vais vous montrer. Ça charge, hein, 30 secondes. Add screen région. Merde. Add. Ah voilà. Donc il me reste ça à terminer. Donc Sheol avec Maggie, Sheol avec Eve, Sheol c'est le démon. Le chapitre final avec Maggie et Samson, donc c'est la cathédrale. Et puis après j'ai fini. Il me manque pas grand chose. Et j'en suis très satisfait. Voilà voilà. Hop là. J'en reviens pas d'avoir eu une run aussi pétée, ça faisait très longtemps que j'en avais pas eu. Oh, je trouve une secrète, super. Si dans la merde. La secrète devrait y avoir un truc. Ride, d'accord, c'est pas cool du tout. Et si ça va m'apporter de la thune ou un billet de 50. Très bientôt fini, oui. Merde, je relisais le chat. Réduit de 50. Ah non, la relique, c'est vrai qu'elle te drop des cœurs gris. J'avais oublié. Ouais, les no damage c'était assez chaud à faire. J'ai vraiment galéré. Et j'ai réussi. Et j'en suis assez fier. Le
plus dur c'était à au womb de pas prendre de damage. J'ai vraiment galéré. Ouais bon ça c'est bon. J'ai une clé. Bien. Voilà, parfait. Aucun dégât de prix. Une clé. Et on a la piqûre du virus. Ouais, 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 ouais. Tu gères plutôt vraiment bien le jeu. Ben, j'ai quelques heures de jeu à mon actif, on va dire. Je suis à 230 heures de jeu à peu près. Je l'ai pas mal farmé. Puis en cours l'année dernière, je passais la plupart du temps de mes TP à faire ça. Ouais, le womb ça va, les mobs ils sont pas très très chiants, tu peux les éviter facilement. Mais les defts, ouais, là ils sont assez galères. Je suis d'accord avec toi. Il a quelques peu slack, oui. J'ai un peu slack, ouais, c'est ça. Alors 13 de thunes, sachant qu'on a le billet de 50, moi je serais chaud pour aller dans le shop. Et voir qu'on a une boussole. On a Nécropolis 1, donc une clé c'est pas de refus. Et qu'est-ce qu'on a ici? Le magicien. Typical slacker en cours. Mais n'importe quoi. Je slack pas. J'use le temps. Enfin. Comment dire? J'utilise le temps à bon escient. C'est-à-dire je. Un petit HP up, ça fait toujours plaisir. Magicien. Je suis un magicien. Ouais, tu chies des bombes, toi, t'es comme ça. Tu vas te faire niquer par ta bombe. Petit PD, va. J'optimise mon temps, voilà. Ah! Ah ouais, des troll bombes. Ta mère. Alors, ça, ces bombes, c'est vraiment relou. Ouais. Tu fermes ta boîte. Oui, 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 ta mère. Oui, tout à fait. Oui, oui. Allez. Enchaîne. Barre-toi. Ah non. C'est pas cool ça parce que... C'est bon, je t'ai pas pris. Cassos. Ah la baisance. Merde, j'avais oublié cette partie là. Bon mais je dois me démerder pour perdre le cœur. Ça c'est pas cool. J'ai pris ça. Je suis con. Je suis con. Je suis con. Si ça se trouve là, j'ai niqué ma run. Sans ma run cone, j'ai dû niquer ma run. Ok. Voilà. Voilà. Et voilà. Il me faut une blood machine. Si j'ai pas une blood machine, je suis dans la merde. Son père. Toujours plus compliqué comme salle. J'aime beaucoup ce que vous faites, les gars. Il y a trop de trucs à éviter, c'est pas possible! Fuck you! Meurs. Ah putain, j'ai pris la vie, je suis. Tears up. Du coup, je suis un peu dans la mouise là.
Vous êtes mort sur le chat? Ah non. Win Devil Deal. Ah, cet étage s'est tendu, ouais. Là, je suis d'accord. Ah, j'ai chié. J'ai vraiment chié. J'ai même pas de clé là en plus. Oh mais je suis débile. Son père, full heals. Oh putain. Je vais la garder. Je vais la garder mais... Oh là 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 là. Oh, oui. Je crois que c'est mal barré. Mais j'ai plus de clé, c'est vrai. Bombe. Cœur gris. J'ai peur, mes amis. J'ai peur d'avoir chié dans la colle. Vraiment. Entre les perches. Et voilà. Ça c'est pas une salle trop compliquée. J'aimerais bien que tu me droppes une clé si tu veux bien. J'espère que tu es gentil, pas du tout, va te faire foutre. Ah là 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 là. J'ai peur, j'ai peur. Alors, à moins que j'ai de la chance, je pourrais peut-être trouver une secret room ici. Ou pas. Ça aurait été l'idéal. Parce que je me suis trompé, je l'ai mal posé. Alors, ça va être mal. Vous êtes méchant avec Blazer. Oh là là. C'est pas très gentil. Ta gueule, je vais arrêter de crier bébé. Eh ouais bébé. Meurs. Voilà. 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 Bon, joue. Ouais, allez, que con. Red patch. Ça peut être pratique. Là je suis emmerdé pour les dégâts. J'ai plus la pute de Babylone. Et ça c'est va te faire enculer. Connard. Putain de jeu de merde. Oh. Oh, oh la vache. Cette chatte. Oh, oh cette chatte. Bon. Oh la chatte! Putain, j'aime ce que je fais. Je m'aime. Alors, est-ce que je suis le boss ou pas? Je vais pas faire le boss. Si, peut-être qu'il va dropper une clé. Ah là là, je veux une clé, je veux une clé, je veux une clé, je veux une clé. Je veux une... C'est ce l'autre, ça va. Il est pas galère. Il est pas galère du tout. Voilà, c'est une balade de santé. C'est une vraie balade de santé. Et si c'est... Qu'est-ce que ça va être? Spade.
Spade. Spade, épée et... la chatte. Oh la chatte. Oh la chatte. Ah, vous me portez carrément bonheur, ouais. Je vais streamer plus souvent du Isaac hein, quand je vais faire mes runs tout seul. Hein. Clairement. Oh, mais c'est nul ça. Pff, c'est nul à chier. Y'a quoi là-dedans? Nul à chier aussi. Bon, ben, c'est parti. Attends, on a 14 de thunes. On peut optimiser encore. On peut aller chercher. On peut aller claquer notre RSA. Dans le shop. Dans le shop, dans le shop. On va y aller vite fait. Tout ça pour un téléport. J'avoue, tu sens un peu la madance, quoi. Mais c'est pas grave. Voilà, donc ça veut dire que j'ai la carte et j'ai la boussole. Donc ça veut dire que je pourrais rusher le boss très facilement. Sur Sheol, par exemple. Et ça, c'est un peu womb. L'item de la challenge room, en fait, c'était la chaussure de Mom qui augmente la range, il me semble. Ça augmente la range, ouais, c'est ça. Allez, on va aller tuer le boss. Polaroid. Polaroid. No need. Un peu plus de concentration quand même. On va éviter de faire le mongol. On les sent les 230 heures de jeu. Mais totalement. 230 heures de jeu, tu one shot des boss, c'est assez rigolo. On va pas prendre de risque, hein. On va en profiter. On va exploiter le jeu au maximum. Hein. Voilà. Tears up. What else? Merde. J'aurais aimé ne pas me faire toucher. Liberty cap, on s'encarre. Ça va, lui il est pas méchant. Qui fait des rayons, je sais plus, je m'en rappelle jamais. Je crois pas. Ah si, il en fait. Je sais plus s'il en fait, putain. Lui, je crois qu'il va me dropper un item cool. Ah oui, il fait des rayons, en effet. Appelle ça un item cool, bâtard, bâtard, bâtard. Allez, on se casse. C'est quand même pété d'avoir la map en entier avec indication des salles et tout. Wow. Non, ce loot n'est pas vraiment cool. Mais c'est pas grave, on va faire avec. Ça fera un peu plus de DPS. Pas beaucoup, mais un petit peu plus. Voilà. Oh, un passe-partout. Je suis passe-partout, Fort Boyard.
J'amène les casse-coups. Ah, ça c'est la trollance. Ça, je vais être obligé de le buter. À moins que... Voilà. Merci Deadbird. Belt. Le belt. Le belt. Oh, 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 yeah, oh, oh. Si. Eh ben, t'es pas mort ? Peach. 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 Tu as combien de Devil Room depuis le début de l'arène ? J'en ai eu 2. J'en ai eu que 2. Sachant que la pute de Babylone, je l'avais dès le début. Avec Eve. J'ai la particularité de l'avoir en premier. Voilà, left hand, non. Ça va, ça c'est chiant. Esquive. Voilà. Bon, on arrive doucement de la fin. C'est pas mal. Oh putain, j'ai failli prendre le cœur. Ça va. Allez. Pardon. Attends, c'est Sheol ou... Je me suis pas trompé. Non, c'est Sheol, c'est bon. Ouh, je me suis fait peur. J'ai cru qu'il fallait que je fasse le chapitre final, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Homzarki, rien à foutre. Putain, je l'ai vous... Oh non! Ah non, ça c'est du troll over 9000! Ah non, ça je peux. Ça... Ah non, ça j'apprécie pas. Ça j'apprécie pas du tout. Putain, la prochaine fois j'utiliserai plus jamais les pilules. Je les utiliserai plus jamais, je le jure. Je le jure sur la tête de ma mère. Putain. Oh non, je suis dégoûté. Elle m'aurait tellement servi la bombe là, au lieu de perdre de la vie, connement. Encore ça va, j'ai de la vitesse de déplacement, mais bon. Putain. Non, je pourrais pas bomber. Je pourrais pas bomber Sheol et je pourrais pas bomber ça aussi. Putain, c'est relou. Oh, oh. Bon vas-y Deadbird, occupe-toi-en parce que. C'est trop chaud. Ouais, là... putain... Non, là, ça craint. Non, non, ça craint trop, là, je peux pas. Je peux vraiment pas. Ça craint beaucoup trop. Oh putain, je vais mourir sur Sheol. Faut que je trouve une bombe. Oui. Faut que je trouve une bombe. Ouais. Grid, il est gentil, il va m'en donner une. Il va m'en donner une. Allez. Il va m'en donner une. Il va m'en donner une. Je m'en fous de la thune, putain. J'en ai rien à foutre de la thune. Oui, 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 oui. Merci, monseigneur, merci, monseigneur. Oh putain. Plus. Pacificate Room, ce putain de cœur qui était devant la porte. Je veux pas prendre ma pute de Babylone. Si, Secret Room, maintenant je peux y rentrer. Ah, tu. Super.
Alors, avant de dire une connerie, si t'as pas la Bible en rentrant sur Fiole, tu fais pas one shot. Enfin, je crois qu'il faut aller vérifier. Je vais aller vérifier. C'est toujours bon à prendre. The Bible, Isaac. Je vais quand même aller vérifier, on ne sait jamais. L'utiliser. The Bible. On s'attend en Isaac, will sleep Isaac. Ok, donc du coup. Non, ouais. Donc il faut prêter. Mais ils ont quoi là à me faire chier. Je les aime pas ceux-là. En plus ils sont relous. Il va mourir. Voilà. Heureusement qu'il y a mon deadbird, hein, parce que c'est moi qui vous le dis. Si je fais ça. Je vais attendre, hein. Tu t'en fous, tu joues Eve. Mais je pense pas que ça marche. Entre nous, je vais pas essayer. Ah. L'orage de mon trollage. C'est quoi ta mère? C'est parti. Allez. Mais oui, c'est ma bite. T'as raison, cours-moi après, petite chagasse. J'aime pas du tout beaucoup ce... C'est impossible. Je vais pas y arriver. Je vais crever. Ah! Mais putain, je suis un mongol! Ok, je prends un coup, je suis mort. Putain, cette chatte. Yes. Yes. Yes.
Ah putain, yes! Ça fait plaisir. Merci. Putain, ce stress, c'est clair. J'ai eu chaud au cul quand même. J'ai vu ma vie me rester un demi-cœur. Oh putain, j'ai fait. C'était quand même tendu. C'était quand même tendu. Moi aussi, je battais à 3000. C'est ouf. C'est vraiment ouf. Putain. Ça fait. J'ai eu chaud au cul. Vraiment, vraiment. Bon. Et ben voilà. Bon. Plus que deux. C'est grâce au chat, ouais, mais carrément. C'est, je suis sûr que c'est à cause de ça. Donc il m'en reste plus que deux à faire. 3, pardon. 3. Toujours grâce au Yor, toujours, toujours. Toujours. The Guardian Angel. The Demon Baby. The Cross. C'est trop cool. Trop, trop, trop. Franchement, non mais franchement. J'adore ce que vous faites. Putain, j'avais oublié de lancer machin. Oh. Attendez, je vérifie un truc. Voilà. Et bien voilà. Je suis très content. Bon bah du coup je vais aller manger un morceau parce que je crève un peu la dalle. Et ben ça m'a fait plaisir de te divertir, Gletozeon. Alors si vous avez aimé le live et que vous souhaitez m'aider, vous pouvez cliquer sur faites-moi un don. Ça peut être 2$, ça peut être que dalle, j'en ai rien à faire. Si vous avez aimé, vous pouvez me faire un petit don, ça me fera vraiment plaisir. Je vous remercie vraiment d'avoir participé à mon live, c'était vraiment sympa. C'est un des lives qui est le plus divertissant pour moi. J'ai pu parler avec vous, j'ai pu beaucoup discuter, ça m'a fait vraiment plaisir. C'est un autre côté du streaming qui me plaît. Donc, merci à vous d'être passé, ça m'a fait très plaisir. Je vous dis à bientôt, je pense que je vais pas tarder à refaire un stream soon pour continuer ce 100%. Si je vous revois pas avant, je vous donne rendez-vous le 4 novembre pour Binding of Isaac Rebirth. J'espère que vous serez au rendez-vous, ce sera vers 21h, je pense que je lancerai à ce moment-là. 21h en prime, je pense que ça devrait attirer beaucoup de monde. Donc je compte sur vous, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt sur le chat d'Eclipsia, et merci.